بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. So, dear pupils, let's continue. We stopped with the verse in the Noble Quran where Allah subhanahu wa ta'ala is calling to the believers, giving them instruction. Allah subhanahu wa ta'ala is informing the believers concerning the obligation of the Friday prayer. So as soon as we hear the call, we hear the adhan for Salatul Jum'ah, so we are obliged to stop all our transactions, and we are to take our way directly to the masjid. Okay, so let's continue. Salatul Jum'ah, we are reading on page 22. Salatul Jum'ah is obligatory on all free. Free veut dire libre. Tout ban jimoun qui libre. Le contraire de free, c'est quoi les enfants? C'est if we are not free. So we are slaves. Si vous savez, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des esclaves, hommes et dames. Alors ces esclaves, la salatul jum'ah n'était pas obligatoire sur eux, excepté ceux qui, leur maître, leur donne la permission. Ok? Sinon, Allah n'a pas fait la salatul jum'ah obligatoire sur ces personnes-là. La salatul jum'ah est obligatoire seulement sur les personnes libres, free. Ok? Alors, c'est ça qui est dit là. Salatul jum'ah is obligatory on all free adults. Les adultes, les grandes personnes, ceux qui ont atteint l'âge de la puberté, c'est-à-dire ils ont reçu l'âge où la salat est devenue obligatoire sur eux. Quant aux enfants, la salatul jum'ah n'est pas obligatoire pour les enfants. Ok? For the small children, salatul jum'ah is not obligatory. So, free, adult, non-traveling men. Que veut dire non-traveling? Veut dire les personnes qui sont à la maison. Ils sont dans leurs endroits respectifs. Ils ne sont pas des voyageurs. Ok? Ils ne voyagent pas. Alors, si demain, je prends l'avion, je pars pour la Chine. Ok? Alors, j'ai pris l'avion jeudi. Vendredi, je suis déjà en Chine. Est-ce que la salatul jum'ah est obligatoire sur moi? Non, les enfants. Il n'y a pas de la salat jum'ah. La salatul jum'ah n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui est en voyage. Alors là, il faut bien comprendre. Quand on dit en voyage, alors les savants de la religion nous a dit que ce sont des voyages qu'on fait à l'étranger. C'est pas un voyage, par exemple,
J'habite à Rosebel. Je suis parti pour Port-Louis le vendredi. Alors, à l'heure de juin, je suis à Port-Louis. Alors, je dis, je suis un voyageur. Il n'y a pas de Salatul Jum'a pour moi. Non. La Salatul Jum'a n'est pas obligatoire sur un voyageur, un quelqu'un qui a voyagé à l'étranger. OK? En dehors de son pays. Alors, c'est ça qui est dit ici. Non-traveling men who do not have a valid excuse. Et quelqu'un qui n'a pas une excuse valable. Valide veut dire acceptable. Vous savez, dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait exception. Quand Allah nous dit que quelque chose est obligatoire, par exemple, Allah nous dit que la salatul jum'a est obligatoire. Alors, mais reste que il y a des gens qui ne peuvent pas accomplir la salatul jum'a. Alors, ces gens-là, ils ont des excuses valables d'après l'islam. Alors, ces gens-là, c'est pas obligatoire sur eux d'accomplir la salatul jum'a. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire chez ces gens-là? Ils vont faire la salat dhuhr comme tous les jours. Ils vont faire la salat dhuhr à la maison. Ils ne vont pas faire la salatul jum'a. Alors là, ils ne doivent pas faire deux rakat seulement s'ils font la salat à la maison et non pas dans le masjid avec imam. Avec imam, on fait deux rakat. Avec le khutbah. Mais à la maison, si on n'est pas venu au masjid, à la maison, on fait quatre rakat, on fait la salatu dhuhr comme d'habitude. Alors, retenez ça bien, les enfants. OK? Alors, quelles sont les excuses valables? Alors, on a dit ici, such as illness. Vous êtes malade. Vous ne pouvez pas déplacer. Vous avez de la fièvre. Vous êtes enrhumé. L'influenza. Et si vous allez à la mosquée, alors vous allez contaminer les autres personnes. À ce moment-là, vous restez à la maison. Vous faites votre salat dhuhr à la maison et Allah ne vous tiendra pas responsable. OK? Parce que vous êtes excusé. Illness for not attending. OK? It is optional for women. Que veut dire optional, les enfants? Optional veut dire si les dames, les filles, les mamans, les sœurs, s'ils accomplissent la salatul jum'a, c'est OK. Et s'ils ne font pas la salatul jum'a, c'est OK. Bal n'a pas pour gagner punition parce qu'il n'amasse jum'a pas faraz l'ose. OK? Alors, it is optional. If they want to perform it, they go to the mosque, they perform it. If they don't want to perform it, they perform zuhr at home. No problem for them. Because Allah has not made Salatul Jum'a obligatory for the woman. Clear? If a woman decides to pray at home, or if anyone is prevented from attending, il n'a pas pu mettre son présence. OK? Il n'a pas pu aller à la Salatul Jum'a au masjid. Alors, if a woman decides to pray at home, or if anyone is prevented from attending Salatul Jum'a, même si c'est un monsieur ou une dame, il n'a pas pu ou elle n'a pas pu aller à la mosquée, alors à ce moment-là, he or she must pray the four rakats of the dhuhr prayer in the usual manner. Là,
Les besoins faire la salat, dhuhr, comment y habituer faire tous les jours. Ok, c'est clair? Alors, maintenant on va apprendre une chose très importante. The etiquettes and duties on Friday. Alors ça, il vous faut apprendre par cœur les enfants. Regardez dans vos livres, à droite, c'est écrit numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ce qu'il y a dans ce carré-là, ok, vous devrez l'apprendre par cœur. On peut vous demander, le jour des examens, de mentionner les étiquettes and duties on Friday. OK? So, number one, take a bath. Prendre un bain. Number two, wear clean clothes. Portez vos vêtements propres. Et même les plus jolis vêtements que vous avez. OK? Les beaux vêtements que vous avez, portez-le le jour de vendredi. Third, read Surah Kahf. C'est recommandé de lire le Surah 18, Surah Kahf, qui est dans le Coran. OK? Alors, si vous ne pouvez pas lire le Surah au complet, vous pouvez lire les 10 premiers versets, les 15 premiers versets, les 20 premiers versets. Alors, autant que vous pouvez, alors faites la lecture du Surah Kahf le vendredi. Quatrième, send Daroud abundantly. Envoie Daroud sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour de vendredi. Hein, à partir de jeudi, on est déjà dans la nuit du vendredi. Alors on commence à envoyer autant de Daroud. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كم أولي لدرود إبراهيم dans la salat. Alors lisez autant de Daroud que vous pouvez le jour de vendredi. Ça commence à partir jeudi soir et ça termine jusqu'à vendredi, hein, Asr, Maghrib. OK? Alors, c'est recommandé. Cinquièmement, go to the mosque early. Il faut aller à la mosquée le vendredi tôt, avant que l'imam monte sur le mimbar. Avant que l'imam monte sur le mimbar, on doit être déjà assis et préparé pour écouter le khutba. OK? Alors, celui qui vient premier dans masjid le jour de Jum'a, li gay récompense un chamel. Et celui qui vient plus tard, li gay récompense un dizef. Ça c'est hadith ça les enfants. Donc, nous besoin faire effort. Le matin du vendredi, fini baigner, prends bain, fini mettre-nous parfum, mettre-nous linge, prépare-nous. Nous faisons des marches dans le masjid, plus bonnet à qui capable, nous rentrons dans le masjid, premier dimoun nous-mêmes, nous n'avons plus beaucoup de récompenses à gagner. Et sixièmement, listen to khutbah attentively. Écoute khutbah attentivement. Dans les khutbah, nous besoin pas jouer, nous besoin pas causer. Même nous besoin pas dire à celui qui peut causer, nous pas dire à lui, reste tranquille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche nous. Si vous trouvez des dimoun qui peut causer, dans les khutbah, pas dire aux autres, reste tranquille. Si vous dites aux autres, reste tranquille, ça veut dire aussi vous ne causez. Alors, ne vous êtes pas causé. Ne vous êtes pas joué ni avec nous, nos chemises, nos thawb, ni avec nous la barbe. Ne vous êtes pas joué avec Nanyé. Et n'a pas dit dans les khutbah, où tous les autres faites tasbih. C'est pas recommandé. Où tous les autres n'a pas dit moun pour lire fanflet. Et n'a pas lire Coran dans les khutbah. C'est pas recommandé. Dans les khutbah, nous obligez écoute imam. Écoute imam et assisez tranquille, pas cause avec personne et pas guette par ici par là. Nous concentrer sur ce qui imam peut dire dans khutba. Alors ça c'est 6 petites choses qui vous apprennent pas par cœur, ok? Alors et évidemment nous pouvons faire une troisième vidéo quand nous reste pour lire page 23. Il y en a huit points dans le livre, hein, qui concerne les étiquettes de la salatul Jum'a, qui nous prend lit dans notre troisième vidéo, Inch'Allah.